d'avoir des idéaux quand il existe sur cette terre des sourds, des aveugles ou des fous. Comment pourrais-je me réjouir du jour qu'un autre ne peut voir ou du son qu'il ne peut entendre? Je me sens responsable des ténèbres de tous et me considère comme un voleur de lumière. N'avons-nous pas en effet dérobé le jour à ceux qui ne voient pas et le son à ceux qui n'entendent pas? Notre lucidité n'est-elle pas coupable des ténèbres des fous? Sans savoir pourquoi, lorsque je pense à ces choses, je perds tout courage et toute volonté. La pensée m'apparaît inutile et vaine la compassion. Je ne me sens pas suffisamment normal pour compatir au malheur de qui que ce soit. La compassion est une marque de superficialité. Les destins brisés et les malheurs irrémédiables vous poussent soit au hurlement, soit à l'inertie permanente. La pitié et la commisération sont aussi inefficaces qu'insultantes. Lorsqu'on souffre infiniment soi-même, la compassion n'engage à rien, d'où sa fréquence. Nul n'est jamais mort ici-bas de la souffrance d'autrui. Quant à celui qui a prétendu mourir pour nous, il n'est pas mort, il a été mis à mort.
pas de moyen plus efficace de supporter la douleur que la mortification et l'autotorture. La douleur te ronge, te sape et t'engloutit. Frappe-toi, gifle-toi, fouette-toi jusqu'à ce que tu éprouves des douleurs plus épouvantables. Certes, tu n'en triompheras pas de cette façon, mais tu la supporteras.
Ce secret sans seigneur rend la vie presque un douleur. En ce sens que j'ai remarqué que tous les gens qui agissent, ils ne peuvent agir que parce qu'ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Moi, parce que je crois avoir vu sans battre les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas pu agir. J'ai toujours resté en marge des actes. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Alors, il est vrai que seul un monstre peut voir les choses telles qu'elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité. Accident.
me rappelle, ça c'est un événement qui s'est passé pour moi, c'était extraordinairement important. J'avais donc 20 ans, peut-être un peu moins, un après-midi. Il y avait quand même ma mère à la maison. C'était 2 heures de l'après-midi, ça je m'en souviens parfaitement. Et en présence de ma mère, je me suis jeté sur le canapé, je dis j'en peux plus. Et ensuite ma mère m'a dit si j'avais su, je me serais fait avorter. Et ça m'a fait une impression extraordinaire, mais pas négative. Thank you.
je crois qu'on est qui pour faire du mal, dans le sens, en fait, super, tu vois, pour troubler. Enfin, parce que moi-même, tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'ai eu pour être troublé. Un écrivain qui ne martyrise pas d'une façon ou d'autre ne m'intéresse pas. C'est pas ça que, il faut que quelqu'un vous fasse souffrir, n'est-ce pas? Autrement, je ne vais pas le laisser souffrir. Okay.
c'est un changement. Ça n'empêche pas qu'on puisse être indépendant, ça c'est évident. Bon. Mais la clé tout autour de ça. Alors, vraiment la condition à laquelle je suis arrivé, c'est qu'au fond, il fallait mieux ne pas l'être. On est là, mais n'empêche que le grand problème, c'est la naissance et pas. Thank you.
investi de missions, hommes et femmes, jeunes et vieux, sérieux ou superficiels, joyeux ou tristes, abandonnent un bonjour leur besogne, renonçant à tout devoir ou obligation pour sortir dans la rue et cesser toute activité. Ces gens abrutis qui travaillent sans raison ou se gargarisent de leur contribution au bien de l'humanité, trimant pour les générations à venir sous l'impulsion de la plus sinistre des illusions. Se vengerait alors de toute la médiocrité d'une vie nulle et stérile, de cet absurde gaspillage d'énergie si étranger à tout avancement spirituel. Que je goûterais ces instants où plus personne ne se laisserait leurrer par un idéal, ni tenter par aucune des satisfactions qu'offre la vie, où toute résignation serait illusoire, où les cadres d'une vie normale éclateraient définitivement. Ceux qui souffrent en silence, sans oser exprimer leur amertume par le moindre soupir, hurleraient alors dans un cœur sinistre, dont les clameurs épouvantables feraient trembler la terre entière. Puissent les eaux déferler et les montagnes s'ébranler effroyablement, les arbres exhiber leurs racines comme une hideuse et éternelle remontrance, les oiseaux croasser à l'instar des corbeaux, les animaux s'épouvanter, déambuler jusqu'à l'épuisement. Que tous les idéaux soient déclarés nuls, les croyances des broutilles, l'art un mensonge et la philosophie de la rigolade. Que tout soit éruption et effondrement. Que de vastes morceaux arrachés du sol s'envolent et soient réduits en poussière. Que les plantes composent dans le firmament des arabesques bizarres, des contorsions grotesques, des figures mutilées et terrifiantes. Puissent des tourbillons de flammes s'élever dans un élan sauvage et envahir le monde entier, pour que le moindre vivant sache que la fin est proche. Malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion.